On se retrouve, je filme un tout petit peu cette vidéo en avance, mais c'est pas grave, pour un challenge littéraire pour la première semaine des vacances. Challenge dans lequel je vais lire 1000 pages en une semaine. Donc je commence ce challenge dimanche 18 décembre et je le terminerai samedi 24 décembre à minuit. Donc du coup, comme c'est les fêtes un tout petit peu avant dans l'après-midi. C'est un challenge qui est souvent organisé sur BookTube et que vous avez dû voir passer plein de fois. D'habitude, je suis les dates du challenge mis en place par le petit pingouin vert. Mais du coup, c'est difficile en semaine avec le travail, etc., de réaliser le challenge. Donc, je voulais vraiment faire ça pour la première semaine de mes vacances. J'aurai quelques copies, etc., à corriger. Mais au moins, je sais que j'aurai plus de temps et notamment peut-être moins de fatigue pour le faire. Donc lire 1000 pages à la semaine, ça revient à peu près à lire, j'ai fait le calcul, 142 pages, 8, on va dire donc 143 pages par jour. Donc l'idée, si on peut dépasser évidemment, hein, mais au moins ça met un petit défi et un petit stade quotidien. Donc je ne sais pas si je vais vous présenter en détail tous les livres que je compte lire, c'est pas la peine, je ferai ça au fur et à mesure. Et pour mon avis, certains, ça sera des livres dont je vais parler dans des prochaines vidéos. Donc je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là. Donc c'est parti pour lire 182,8 pages par jour pendant une semaine. J'espère que je vais réussir ce petit challenge-là. En tout cas, c'est pas grave, je fais juste ça pour le plaisir. Parce que j'ai du temps devant moi, parce que j'adore lire pendant les vacances et que j'aurai aussi la disponibilité mentale pour le faire. Et ça, c'est un privilège, donc du coup, je vais en profiter. Et c'est aussi le moment pour dégommer ma palle. J'ai pas beaucoup de livres dans ma palle, enfin en fait, si, mais j'ai beaucoup de gros pavés et je me dis que ce serait le moment parfait pour du coup dégommer cette palle-là. Et donc, voilà les trois livres que j'aimerais bien lire. Donc ça fait plus de 1000 pages, vu les pavés que c'est. Rien que celui-là, il fait 800 pages, je crois. Non, pardon, je me suis emballée toute seule. Il fait... Rien que celui-là, il fait 650 pages à peu près. Et celui-ci fait 600 pages. On dirait que celui-là est deux fois plus gros que celui-ci, c'est assez impressionnant. Donc en vrai, même si je lissais de là, ça fera déjà 1200 pages, donc challenge réussi. Mais je voudrais aussi commencer par celui-là qui est beaucoup plus court. Et qui fait, je vais y arriver, 250 pages. Donc mon objectif, c'est de lire celui-là et après d'attaquer un peu ces deux-là au fur et à mesure de mes envies. Et pourquoi pas les finir d'ici la fin des vacances? On se retrouve donc pour le challenge où je lis 1000 pages à la semaine. On est dimanche 18 et il est 16h10. Et j'ai commencé, j'avais oublié un marque-page dans le train, mais du coup, Rage Against the Machism de Malty de Larère. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction que vous avez vue avant ce plan, je ne vais pas vous présenter en détail tous les livres parce que certains vont servir. On va développer plus en détail dans d'autres vidéos. Mais du coup, là, Mathilde Laher, c'est une chercheuse en histoire, donc une historienne, elle est universitaire. Et dans ce court essai, ouais, ça c'est petit, elle retrace l'histoire du féminisme français. Et donc, elle commence au XVIIIe siècle, notamment avec la révolution industrielle, jusqu'à nos jours. Elle commence pas avant pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle est spécialiste du XVIIIe siècle et aussi elle le justifie dans sa préface.
enfin dans son introduction, parce que avant, certes, il y avait des actions féministes, il y avait des femmes qui tenaient des salons littéraires, qui écrivaient, qui avaient des revendications féministes, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement en tant qu'action collective et le groupe qui va se constituer de féministes et non pas des figures comme ça éparses ou vraiment individualisées. Elle, ce qu'elle veut, c'est ce phénomène un peu de mouvement. Et donc, elle revient sur toute cette histoire-là. Donc, c'est assez court, ça se lit plutôt bien, il y a de l'humour, etc. Moi, j'aime bien. Les illustrations à l'intérieur sont vraiment trop belles. Je vous mettrai quelques images. Et donc, j'ai lu ce matin dans le train. Et j'en suis, regarde, je vais parler d'illustration, mais du coup, au chapitre 4, donc à la page 80. Donc, ça se lit plutôt vite. Il faut que j'ai 140 pages dans la journée, donc il me reste 60 pages. Donc là, l'idée, c'est de lire ça maintenant, 60 pages, et me trouver un marque-page dans ma valise. Ça, j'ai pris normalement pour lire ça. Bon, je vous reprends après quand j'aurai lu ça. Jour 2, il est 12h50 et j'ai lu ce matin un autre livre. Donc, Les femmes des Résilient Ranch de Melissa Lenhart. Avant de vous parler de celui-là, je n'ai pas lu hier après vous avoir quitté. J'étais trop fatiguée, je suis allée me coucher hyper tôt. Donc, j'ai toujours pas fini Rage Against the Machisme de Matt Laher, mais je finirai ça ce soir ou demain, en fonction de mon état, mais c'est sûr que ça ne va pas trop traîner parce que j'ai envie de savoir la fin et pas de faire une grande pause. Mais ce matin, j'ai lu à peu près une heure et donc j'ai lu ce livre-là. Donc, je n'ai pas lu tout ça. Je l'avais déjà commencé, j'étais à la page 175 et donc là, j'ai lu jusqu'à la page 230, ce qui fait 55 pages. Donc, voilà. J'avais un peu d'avance hier, donc je suis à peu près à la moitié de ce que je devais lire aujourd'hui. Trop cool. Ben voilà, ce livre, ça sert pour une vidéo qui va très prochainement sortir, et donc je suis trop contente de te parler. C'est un livre dont je ne connais rien, et ça, c'est un indice important, et qu'une très bonne amie m'a prêté. Donc en fait, on suit, on est dans l'Ouest américain avec ce mythe de la conquête de l'Ouest. Repousser la frontière, les cow-boys, le train, etc., le développement de l'Ouest, les mines d'or, les cow-boys. Et dans ce contexte-là, donc on est dans les années 1870-80 aux États-Unis, on va suivre cinq femmes, dont deux principales, pour le moment où j'en suis dans le livre. Une blanche et une noire, ce qui a son importance dans l'histoire, qui vont en fait être des hors-la-loi, constituer une bande de hors-la-loi et qui va faire des braquages. Donc voilà. Et en fait, on suit leur petite histoire et c'est assez bien fait. Alors au début, j'étais un petit peu déconcertée parce que ça se veut comme un livre historique qui reviendrait sur une part oubliée de l'histoire américaine. Et en fait, en faisant des recherches, c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est inventé et c'est trop dommage. J'aurais trop aimé qu'il y ait une bande de hors-la-loi comme ça, de femmes qui, en fait, réussissaient autant que les hommes, voire mieux que les hommes, qui blessaient personne, qui tuaient personne. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Ça aurait été trop cool si c'était possible. Donc, voilà, je suis attachée à ces personnages. Mais c'est pas le cas, elles n'existent pas et elles n'ont pas existé. Donc voilà, donc ce livre il a une dimension assez féministe aussi sur cette question-là et c'est vraiment trop cool. Donc on suit des femmes hors la loi dans un milieu de cow-boys, frontières de l'Ouest, expansion américaine, des hors la loi femmes au milieu du début des suffragistes. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Donc ça, j'aime bien. Pour la narration, on suit la narration de deux personnages, donc Margaret Parker, qui est un peu la figure centrale du roman, c'est la femme blanche dont je vous parlais tout à l'heure, et on suit Henrietta Lee. Et en fait, ça a deux temporalités, parce qu'on suit
on les découvre, ces cinq femmes qui font des hold-up, on les découvre à la fin de leur avant-dernier hold-up, et du coup, on va suivre leur dernier hold-up, et on sait qu'il y a un truc qui va se passer, voilà, on a des petits indices. Et du coup, on suit le livre sur deux temporalités, Margaret Parker qui relate dans son journal les événements qu'elle est en train de vivre, elle et ses amis, sa famille comme elle l'appelle, et Henrietta Lee, je ne sais pas combien d'années plus tard, mais quasiment à notre période là, qui raconte ses souvenirs à une chercheuse historienne, enfin je ne sais pas trop. Et donc voilà, et donc, le livre est entrecoupé, je ne sais pas si je peux en retrouver un. Le livre est entrecoupé de pseudo-manuels d'histoire. Et c'est ça au début qui m'avait mis le doute. Sur, là par exemple, c'est sur la bande de Spooner, qui est une bande de hors-la-loi conçue dans le roman. Donc voilà. Donc, pour le moment, j'aime bien. Au début, j'avais un peu du mal, j'étais un peu perdue dans la narration. Mais maintenant, je suis à la page 30, donc un peu moins de la moitié. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais continuer à lire ça aujourd'hui et peut-être essayer de caser le livre d'histoire demain. Voilà, donc je pense qu'avec ça, je vais pouvoir lire mes 140 pages journalières. Là, je ne vais pas tarder à partir, donc je vous reprendrai sûrement ce soir si j'ai eu le temps de lire ou pas, j'espère. Ou s'il ne fait pas trop sombre quand je rentre, parce qu'il ne fait pas très beau là. Et je vais finir mes cadeaux de Noël. Bon, la lumière est pas incroyable là, mais il est 20h, on est toujours au jour 2, et je voulais revenir avec vous, j'ai bien avancé, j'ai lu 2 fois 30 minutes en revenant des achats de Noël, donc j'ai d'abord lu celui-là pendant 30 minutes, puis après un gros quart d'heure, donc j'ai lu 100 pages aujourd'hui en tout de ce livre, donc j'aime beaucoup, et comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, on arrive au moment où elles sont en train de préparer leur ultime braquage. Donc ça devient intéressant et surtout on apprend plus sur le passé de Margaret Parker. Donc c'est cool. Mais au bout d'un moment, j'avais envie un peu de changer. Et je vous avais dit surtout que je voulais finir ce livre-là rapidement. Enfin, en tout cas, ne pas le laisser traîner. Donc là, j'ai lu 31 pages. Et j'arrive. Et j'arrive donc à la période actuelle MeToo, donc cool. J'ai bientôt terminé, il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Donc bon, je le finirai demain et du coup j'en profiterai pour vous donner un petit aperçu de mon avis avant la vidéo qui va bientôt sortir. Donc, aujourd'hui, 100 pages de celui-là, 31 de celui-là, ça fait 131 sur les 140 que je vais lire. Donc il me manque 9 pages. Donc voilà, je vais lire 9 pages de l'un des deux tout à l'heure. Je vais voir lequel. Au pire, c'est pas très grave parce que j'ai toujours mes 35 pages d'avance, on va dire, d'hier. Mais bon, ça serait bien. Voilà. Parce que mercredi, j'ai une journée chargée, donc ça serait bien si je pouvais garder cette petite. Petite avance là pour mercredi. Mais donc voilà, donc j'ai lu ça aujourd'hui. Je dirai demain matin ce que j'ai lu. Voilà, si je lis ce soir. Et du coup, on se retrouve pour le jour 3 demain. Et je voulais vous montrer, j'avais pris un troisième livre et je vous en avais pas parlé que je voulais lire. C'est celui-ci, c'est Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami aux éditions 10-18, et pareil, c'est une vraie quête aussi. Et j'ai quand même hâte de le commencer, donc peut-être que quand j'aurai fini celui-là, je commencerai celui-là, même si j'ai pas fini celui-là. Enfin voilà, vous voyez le bordel, mais j'ai envie de tout commencer parce que tout m'intrigue. Et celui-là, j'ai vraiment envie de le commencer. En plus, ça fait un an qu'il était dans l'appel, on me l'a offert à Noël dernier. Et je me dis que le commence peut-être avant Noël, ça serait pas mal. J'ai trop envie de lire. Mais d'abord, je pense que je vais finir celui-là. Je vais pas attaquer 3 livres en même temps parce que c'est quand même pas. Ça sera difficile de tout gérer. Mais voilà, 131 pages pour aujourd'hui. On n'est pas loin des 140.
Et je vous retrouve demain. On est le jour 3, on est mardi 20 décembre et il est 14h13. Je vous retrouve pour faire un petit point, j'ai pris mon thé, je vais pas tarder à y aller, donc je vais aller rapidement. Hier soir, j'ai pas lu, trop fatiguée. Par contre, ce matin, j'ai fini Rage Against the Machisme de Mathilde Laher. Donc ça m'a fait 61 pages pour finir ce livre. J'ai bien aimé, c'était sympa de lire l'histoire du féminisme en France, des féminismes en France. C'était cool de voir comment en fait les sujets qu'on croyait, enfin qu'on peut croire nouveaux, par exemple la manière dont les femmes s'habillent, le viol, etc., les harcèlements sexuels, étaient déjà pensés par les premières et les deuxièmes féministes. Encore, en fait, finalement, cette appellation de première, deuxième et troisième vague n'a pas lieu d'être. Donc, en ça, c'était intéressant. Ce qui était intéressant, c'était que c'était aussi des chapitres courts, donc du coup, c'était facile à lire. C'était très synthétique, donc ça, j'ai bien aimé. Après, sur les défauts de ces avantages, c'était trop synthétique à mon goût. En même temps, vu la taille du livre, c'est plutôt normal. Voilà. Et pour moi, ça manquait un peu d'explications, un peu de sources historiques, un peu plus de contenu, mais encore une fois, c'est pas le but de l'ouvrage, donc je peux pas lui reprocher ce qu'il ne prétend pas faire. Mais par contre, j'ai du coup dévoré la bibliographie à la fin, qui est la bibliographie dont Mathilde Laher, c'est Laher. C'est servi pour constituer ce livre-là et aussi une biblio qu'elle nous indique à nous pour poursuivre nos recherches. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai noté des choses à lire et du coup, qui seront plus fournies vu l'épaisseur des livres. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faudrait que je lise dans le texte celles qu'on appelle les premières féministes. Donc Florian Tristan, Louise Michel, Madeleine Pelletier, Hubertine Auclair, voilà. Il faudrait que j'aille creuser de ce côté-là, donc il faut que je m'occupe de ça et ce sera mon objectif de 2023. Et donc voilà, j'ai lu que ça ce matin, j'ai un peu travaillé aussi. Et c'est mon mug du marché de Noël de Berlin, j'aime trop. Donc ça, et en fait je crois que je vous l'ai dit hier, ou je suis pas sûre, mais j'ai très envie de mettre en pause, pour le moment, enfin en pause, on s'entend, ce livre-là, ou alors de finir le chapitre, parce que je suis à la page 276 et le chapitre fini à la page 290, donc je pourrais faire ça, bon, en tout cas le mettre en pause pour commencer, j'essaye de l'attraper, celui-ci. Et j'ai vraiment envie de lire celui-là. Je vous lis Je vous lis le résumé rapidement. Un adolescent, Kafka Tamura, quitte la maison familiale de Tokyo pour échapper à une malédiction oedipienne proférée par son père. De l'autre côté de l'archipel, Nakata, un vieil homme amnésique, décide lui aussi de prendre la route. Leurs deux destinées s'entremêlent pour devenir le miroir l'une de l'autre, tandis que sur leur chemin, la réalité bruisse d'un murmure envoûtant. Et il a écrit que c'était le roman le plus ambitieux et le plus envoûtant de Murakami. Donc, grave envie de le lire en vrai. Donc, peut-être que je vais commencer ça cet après-midi, enfin ce soir plutôt. C'est vrai que je lise 120 pages ce soir pour atteindre mon objectif. Pour le moment, j'ai pas atteint mon objectif hier. Attendez, comment j'ai noté ça?
Donc, le premier jour, dimanche, j'ai atteint mon objectif et j'ai lu 31 pages en plus de mon objectif. Et lundi, j'ai pas atteint mon objectif, j'ai lu moins 12 pages. Enfin, il me manquait plutôt 12 pages pour atteindre mon objectif. Donc, globalement, je l'ai atteint hein, sur 2 jours. Et j'ai encore un bonus d'une quinzaine de pages. Mais voilà, donc je ne voudrais pas que non plus que mon bonus se foute, donc il faudrait que je lise une centaine de pages ce soir. Ce qui est jouable, hein. Ce qui est jouable, mais voilà, il va falloir que je me mette. Donc du coup, je vais vous laisser, je vais lire en attendant de partir et je vous reprends ce soir. Pas repris finalement hier soir parce que bon, j'ai fait plein de trucs et après il était trop tard pour filmer, il y avait plus la luminosité n'était pas bonne, mais du coup j'ai avancé dans Kafka sur le rivage, j'ai bien avancé et hier j'en étais, grâce à l'application Goodreads on peut le voir, j'en étais à 14% de lecture. Donc hier j'ai lu 91 pages de celui-là, donc j'ai lu en tout hier 152 pages, donc objectif d'hier atteint, et ce matin j'ai un petit peu continué à lire et j'ai lu 37 pages de Kafka sur le rivage. J'aime bien, mais je sais pas trop où ça va, donc pour résumer, on suit deux histoires en parallèle. La première histoire est celle de Kafka Tamura, qui est un adolescent de 15 ans qui a fugué, et du coup on suit un peu sa vie dans le point de chute qu'il s'est choisi. Donc on suit ce Kafka, et en parallèle on suit la vie de Nakata, et que j'aime plus, enfin vraiment qui m'attire beaucoup plus, ça m'intrigue. Donc en fait on alterne un chapitre de l'un et de l'autre, et donc les chapitres de Kafka pour le moment j'en ai un peu rien à faire. En plus, on nous tease une prophétie, etc. Mais bon, pour le moment, elle ne va pas arriver. Et donc, ça m'intéresse pas vraiment pour le moment. Par contre, la vie de Nakata, c'est incroyable parce que donc, les chapitres sur ce personnage alternent en plus deux temporalités. Donc, il y a une première temporalité quand il est adulte et en fait, il parle au chat. Et je trouve ça trop cool. En fait, il dit lui-même qu'il n'est pas intelligent parce qu'il ne sait pas lire, pas écrire, il ne comprend pas la télé, il ne comprend pas la radio, etc. Mais il peut parler au chat, ce qui est ouf. Et du coup, il se sert de ce talent, dont je sais pas, cette habilité, pour retrouver les chats errants ou les chats qui se sont enfuis de chez leur bête. Donc, je trouve ça trop cool. On suit des dialogues du coup avec des chats errants ou pas. Et en même temps, dans les chapitres qui sont consacrés à Nakata, on suit une affaire un peu particulière qui se passe en 1945-46. La guerre avec États-Unis-Japon de la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore terminée totalement. Et il y a un phénomène étrange qui s'est passé, je ne vous dis pas lequel, mais du coup, qui nous apprend davantage de choses sur le passé de Nakata. Et donc j'ai hâte de savoir quand est-ce que ces deux temporalités vont se rejoindre. Elles vont se rejoindre, c'est sûr, on a déjà des éléments qui expliquent la vie de Nakata dans le présent. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que j'avance bien, ça se fait relativement vite. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas eu trop le temps de lire ce matin. Et que je préfère la vie de Nakata. Donc je pense que je vais continuer un petit peu, j'aimerais bien avancer un petit peu, et quand j'en aurai un peu marre, reprendre du coup les femmes des récérantes, parce qu'en fait ça manque un peu, j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Donc je pense que je vais alterner entre les deux aujourd'hui. Donc voilà, je vais peut-être prendre celui-là avec moi parce qu'il est plus léger à porter que celui-là pour ma petite après-midi si j'ai le temps de lire. Sinon, je vous retrouve ce soir. Je vais essayer sans faute de vous retrouver. Mais en tout cas,
En tout cas, le challenge avance plutôt bien parce qu'il n'y a que le jour 2 où j'ai pas vraiment atteint l'objectif de 142 pages, mais j'en suis arrivée vraiment pas très loin. Je crois qu'il me manquait 12 pages de mémoire. Et que les autres jours, j'étais au-delà des 142 pages, donc je suis vraiment contente pour le moment. Donc voilà, programme de l'après-midi, un des deux, je sais pas trop. J'ai envie quand même de savoir ce qui va lui arriver à Nakata. Mais là, j'ai envie d'avancer aussi. Là, Goodreads m'a dit que j'étais pile, je vois très bien, pile à la moitié du livre. Donc, trop cool. Là, j'ai pas mis à jour, mais du coup, je pense que je dois être autour de 20%. Peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous retrouve ce soir pour vous en dire plus. Bonsoir, je suis en train de perdre ma voix, donc je ne vais pas beaucoup parler. Mais juste, déjà désolée pour la voix, mais juste pour vous dire que je suis en train, enfin, j'ai lu ça cet après-midi, 41 pages, donc en tout ça fait 77-80 pages lues aujourd'hui. J'aime beaucoup, encore vraiment, j'aime beaucoup. Là, il y a une nouvelle dimension dans le roman. Je vous en dis pas plus, sinon vraiment ça vous spoil tout le livre. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et donc, je vais aller à la douche, faire quelque chose pour ça, pour cette voix, et essayer d'avancer sur ce livre et d'atteindre le quota. Du nombre de pages journalières. Bonjour, j'espère que ma voix va aller parce que... Voilà. Hier, je vous disais que je perdais ma voix. Bah, ça s'est confirmé dans la soirée. C'est pourquoi je ne vous ai pas repris. Mais du coup, je ne vais pas parler très longtemps. Hier soir, j'ai lu 115 pages des femmes de Heresy Ranch. Donc, j'ai validé mon défi journalier. Et j'ai même lu 10 pages en plus. Donc, trop contente. Et du coup, ce matin, je voulais trop savoir la fin du livre, donc j'ai encore lu 50 pages de ce livre-là. Je suis à la page 440 sur 590, donc je pense que je vais aller continuer à le lire. Et quand j'aurai fini de lire donc les 100 pages d'aujourd'hui, et donc quasiment ce bouquin-là, et quand j'aurai retrouvé ma voix, ce qui ne serait pas plus mal, je vous ferai un petit compte-rendu, avis final sur le bouquin. Mais sachez que pour le moment, j'aime beaucoup, à tel point que j'ai mis en pause... Pardon pour le bruit. À tel point que j'ai mis en pause celui-ci, que j'aime bien. Hein, mais là, j'ai vraiment envie de savoir la fin. Bref, je ne parle pas plus longtemps. On est donc au jour 5, j'ai lu 50 pages. Je vais travailler un petit peu et après, je vais lire ça. On y croit, je le finirai peut-être pas aujourd'hui, quoique il est que 15h, j'ai pas précisé. Mais en tout cas, je l'avancerai bien et il sera fini demain, je pense. Donc trop cool. Bonjour, ça va devenir une habitude du coup de vous retrouver le matin. Pour conclure ce qui s'est passé la veille, mais c'est pas grave. Je me suis dit que ce matin ça marcherait, enfin que c'était plus logique de faire comme ça. Du coup, on est ce matin, c'est le jour 6, hier c'était le jour 5 et je vous avais laissé en vous disant que j'avais lu 50 pages au matin, il me semble, et que je m'apprêtais à lire ça dans l'après-midi et si c'était possible de le finir. Bon. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai lu 182 pages, donc il ne me restait pas grand-chose, voilà. Et je me suis dit que, bah, en fait, j'allais le finir ce matin et que du coup, je vous reprendrai juste après. Comme ça, je pourrais faire la totale, aussi vous parler du livre. Et donc ce matin, j'ai fini le livre, il me restait 33 pages, et c'est ce que j'ai lu ce matin. Donc, livre fini, et j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment aimé. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur ou pas. En tout cas, on n'est pas loin du coup de cœur. Donc, trop contente de le lire. Surtout que je n'attendais pas grand-chose. Parce que je ne suis pas très fan de la conquête de l'Ouest, des États-Unis en général, etc. Et j'avais peur que ça soit un peu peut-être cliché par moment et tout. Mais en fait, il y a tout ce que j'aime. Et trop bien. J'ai trop aimé, vraiment. Je vous dis, ça frôle le coup de cœur.
L'histoire, vous savez à peu près de quoi ça parle, j'en ai déjà parlé. Moi, ce que j'ai trop aimé dedans, c'est la réflexion de l'autrice, donc Mélissa Lenhardt, sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Et donc là, ça n'a pas existé, l'histoire qu'elle raconte n'a pas existé, mais si elle avait existé, en fait, on n'en saurait pas plus que maintenant, en fait, parce que ces femmes, les femmes ont été invisibilisées, ce qui fait un peu écho avec le premier livre que je lisais dans ce vlog où j'ai 1000 pages, le livre de Mathilde Laherre. Donc voilà, cette invisibilisation des femmes, moi j'ai trop aimé, et en fait au lieu de le dénoncer dans un ouvrage, genre essai, etc., en fait le fait que ça passe par un roman, et on se dit putain, c'est ultra crédible, ça marche vraiment bien. Et donc toute cette réflexion qu'il y a au fur et à mesure du livre, en se disant, bah, en fait si elles sont pas prises, et si elles peuvent prospérer dans leur crime, c'est parce qu'en fait c'est des femmes et que personne ne pense à les soupçonner parce que c'est des femmes. Et juste parce que c'est des femmes, elles ne pourraient pas faire ça dans l'imaginaire masculin, bah, du coup elles y arrivent d'autant mieux, et je trouve ça assez marrant. Donc j'ai vraiment aimé donc, cette réflexion sur l'histoire, sur l'invisibilisation des femmes. Je me suis quand même attachée au fur et à mesure au personnage, donc ça c'est trop cool pour la dimension fictionnelle du livre, notamment à Margaret Parker, donc, qui est la femme blanche dont je vous parlais initialement, mais aussi aux deux sœurs, à Jehu, etc. Enfin, vraiment, je me suis attachée à quasiment tous les personnages. Il y a des retournements de situation, même si on les voit arriver, aussi parce que nos personnages, je les vois arriver. Ça reste vraiment palpitant dans le rythme. Enfin, c'était vraiment un bon roman. Ça fait 605 pages et je l'ai dévoré, quoi. Vraiment, je l'ai dévoré. Donc, je vous le conseille. Et du coup, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo vu que je l'ai lu dans le cadre d'une vidéo particulière. Et donc, nous sommes au jour 6 et j'ai lu que 33 pages. Donc, entre les cadeaux. Enfin, entre les emballages cadeaux, le rangement et la correction de copie, je vais lire ça. Kafka sur le rivage, donc une centaine de pages à peu près. J'ai de l'avance, donc tant mieux, parce que je suis pas sûre de lire 100 pages aujourd'hui. Surtout qu'autant celui-ci se lit rapidement, etc. Lui se lit un petit peu moins rapidement. On est le 23 décembre et bon, je le finirai pas dans le vlog à 1000. Hein. Il me reste aujourd'hui et demain, et il me reste quasiment 500 pages, 450 plutôt, donc je ne le finirai pas. Mais j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année, si c'est possible. Et je me dis que j'aurais sorti deux briquettes quand même, 600 pages chacun, de ma pile à lire, pour commencer 2023, et donc trop cool. Le premier, je vous retrouver ce soir pour vous dire où j'en suis dans cette lecture-là. Et arrêtez de vous reprendre à chaque fois au lendemain matin. Bonjour, on se retrouve au jour 7 et du coup dernier jour du challenge. J'avais dit que je vous reprenais hier, mais en fait je vous ai pas repris dans l'après-midi pour la simple et bonne raison que j'ai à peine lu 30 pages. Donc du coup c'était un fail total mon après-midi, et j'ai pas lu pour deux raisons. Le livre Les Femmes d'Hérésie Ranch tournait encore dans ma tête et du coup j'avais un peu du mal à m'en détacher pour me plonger dans une autre histoire, et deuxième raison, je me suis laissée happer par une série, bon, bref. Donc du coup j'ai lu que 30 pages, donc c'était un fail. J'avais lu en tout, je sais pas, 6 pages peut-être, 70 pages dans la journée. Donc du coup, aujourd'hui, je vous reprends, la journée est quasiment terminée. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai essayé de lire pile le nombre de pages qu'il fallait pour réussir. Et donc, il me manquait 142 pages pour atteindre les 1000 pages. Donc j'ai lu 142 pages de ce petit livre-là, ce gros livre-là, pardon. J'ai un avis un peu, je sais pas trop quoi en penser, c'est chelou quand même. J'en suis à la page 300, hein, donc j'en suis à la moitié du livre. Les deux personnages, voilà, les deux histoires sont en train de se croiser.
Mais c'est quand même très bizarre, donc j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Je comprends un peu la dimension onirique qu'on donne à cet auteur, enfin en tout cas à ce roman-là. Mais bon, voilà. J'ai encore un peu du mal à mettre des mots dessus. À part le fait de dire que c'est étrange, que c'est intrigant, onirique, mais en même temps, c'est pas si intrigant que ça. J'arrive pas à dire si j'aime bien ou pas les histoires. En fait, à chaque moment, je me dis la situation, elle est tellement bizarre qu'il va se passer ça, et en fait, pas du tout. Et quelques pages plus loin, il se passe un truc totalement inattendu, mais encore plus chelou que ce que j'avais imaginé. Donc voilà, je ne sais pas trop encore sur quel pied danser avec ce livre-là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'attends mes 1000 pages, et ça, je suis vraiment trop contente, vraiment. Et vraiment trop contente sur 1000 pages à la semaine. Je croyais vraiment pas y arriver avec le fail d'hier, mais j'y suis arrivée, je suis trop contente. J'aurais lu en tout quand même 2 bouquins, donc Rage Against the Machisme de Mathilde Larère, un livre d'histoire, et Les Femmes Déshérentes, un roman que je veux historique. Donc trop bien, et quand même 300 pages, la moitié de ce gros machin. Donc vraiment, moi qui voulais dégommer un peu, enfin ma palle, dégommer ça peut être un mot fort, parce qu'il n'y a que 3 livres qui sont sortis, mais moi qui voulais sortir les 2 gros pavés de ma palle, j'en ai lu un entier, la moitié de l'un, et il me reste la fin des vacances, je pense, pour lire ça, 300 pages, c'est faisable. Donc je vous retrouve, enfin vous aurez mon avis final dans une prochaine vidéo. Et c'est sur ce que je clôt ce challenge et ce vlog lecture sur la semaine en vous redisant que j'ai réussi 1000 pages, trop contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois.